Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal et de deux pour la Semaine nationale de la planification familiale. L'édition 2 de l'événement a été lancée officiellement ce vendredi à Zanianado, dans le département du Zou. C'était en présence des autorités en charge de la santé, d'un parterre d'invités et des populations fortement mobilisées sur fond d'appel à l'adhésion des leaders d'opinion et religieux. Et puis, congrès ordinaire du mouvement syndical national des femmes des marchés tenu ce samedi. Les femmes du SINAFEM avaient à leur côté les représentants du bloc républicain. Et puis, en page magazine de ce journal, nous irons à la découverte du village souterrain d'Agongwento. Richesse ancestrale vieille du XVIIIe siècle, site souterrain ayant servi de planque lors des luttes d'extension territoriale et de résistance, mais encore ce site particulier regorge de ressources animalières et d'essence animale. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre en direct sur le www.canal3television.com. Lancement officiel donc de la Semaine nationale de la planification familiale. L'événement est à sa deuxième édition. Il est porté par les autorités en charge de la santé et vise non seulement à faire connaître aux populations les bienfaits de la planification, mais aussi susciter l'adhésion des leaders d'opinion et religieux. Le top de l'édition 2020 de cette initiative a été donné ce vendredi à Zanialdo. C'était en présence d'un parterre d'invités et de la population fortement représentée. L'initiative vise d'une part à accélérer l'accès des populations aux services de planification et d'autre part à intensifier l'offre des services gratuits de planification familiale. La Semaine nationale de planification familiale est aussi souvent l'occasion pour sensibiliser les populations, les leaders d'opinion et autres sur les enjeux de la planification familiale. Cette année encore, le Bénin sacrifie à la tradition. Les manifestations ont été officiellement lancées ce vendredi à Zanianado par les autorités en charge de la santé et devant un parterre d'invités. Nous saluons vos inlassables efforts de soutien à notre département et singulièrement à notre zone sanitaire COZO, entendez Kove, Zanianado et Wehi, qui bénéficient de l'appui des partenaires réunis ce jour autour de vous. En plus des discours, plusieurs autres activités ont meublé la cérémonie de lancement. Distinction des meilleurs relais communautaires, notamment de la zone sanitaire COZO, Kove, Zanianado, Wehi, visite de stands, dépistage gratuit du cancer de col de l'utérus et du sein. Les festivités de la semaine de la planification familiale ainsi démarrées vont durer plusieurs jours. Elles sont couplées avec celle de la 13e journée mondiale de la contraception. Un double événement célébré en l'honneur du bien-être de la famille. Il y a 32% de besoins non satisfaits. Ça veut dire qu'il y a 32% des femmes qui désireraient utiliser un moyen de contraception et ne le peuvent pas. Et ça nous interpelle, c'est qu'il faut agir ensemble. Le peuple et le gouvernement des États-Unis d'Amérique continuent de soutenir les efforts du Bénin pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et toute la nation béninoise. Tout individu, tout couple a le droit de décider librement et avec discernement de la taille de sa famille. Malgré les efforts consentis dans le domaine, beaucoup reste encore à faire. C'est donc à juste titre que les partenaires techniques et financiers ont appelé à accompagner davantage les acteurs engagés dans les projets de planification familiale. Le thème retenu cette année pour les manifestations est la contraception. Allons encore plus loin ensemble. Nous espérons que les activités prévues au cours de la semaine permettront d'axer les réflexions sur la question de la planification familiale en général et de la contraception en particulier. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous appuient au quotidien pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Après Bopa, dans le département du Mono en 2019, c'est la commune de Zanianado qui, pendant une semaine cette année, va abriter les différentes activités de plaidoyer, de sensibilisation, mais également de campagne d'offres de services gratuits de santé de reproduction. Les populations sont donc invitées à profiter de l'opportunité.
Mono, la voix de Lokosa n'est pas restée en marge de l'édition 2020 de la célébration au plan national de la Journée mondiale de la radio, une célébration placée sous l'égide de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, en abrégé FERCAB. Vous le savez, l'événement a été célébré cette année sous le thème, je cite, « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». À l'honneur, durant toute cette journée du jeudi 13 février dans la ville de Lokosa, les radios communautaires du Bénin. À travers leur fêtière, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, elles se sont donné rendez-vous ici à l'occasion de la Journée mondiale de la radio pour se faire mieux connaître du grand public. Une journée placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». Le Bénin s'unit en ce moment son annelle qui consacre la Journée mondiale de la radio. Nous voyons comment la radio permet à un grand nombre de personnes de se prononcer sur les questions d'actualité. Célébrer donc la Journée mondiale de la radio, c'est en réalité célébrer la démocratie et la liberté. Bien entendu, cette liberté a pour socle la responsabilité. La radio locale qui, l'instant de cette journée, accueille ses pairs est Radio Mono, la voix de Lokosa. Elle émet sur la 106.7 en modulation de fréquence sur un rayon de 50 km de Lokosa et balaie les départements du Mono et du Koufo. Par la liberté qu'elle offre, la radio est ainsi un moyen unique de promouvoir la diversité culturelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et son chef, son Excellence Patrice Talon, soutiennent activement ces radios et font en sorte qu'elles puissent se développer. Il convient de saisir l'occasion de cette journée pour signaler à l'attention de cet auditoire qu'il y a un programme de renforcement de capacités matérielles qui a été mis en place au profit des radios communautaires de notre pays. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, c'est un regroupement de 39 radios communautaires installées dans tous les départements du Bénin. Si au plan international, la JMR est à sa 39e édition au plan national, il s'agit de la 4e édition placée sous l'égide de la FERCAB. Du haut de cette tribune, je félicite et encourage une fois encore toutes les radios du Bénin et celle du département du Mono en particulier, pour la part très active qu'elles prennent au développement de notre commune nation. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer du haut de cette tribune un vibrant appel aux autorités, au pouvoir public béninois, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et les ministères en charge de la communication et des finances, afin que les radios de proximité, à travers la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB, puissent bénéficier d'une aide directe, comme cela se fait dans plusieurs pays de notre sous-région. Sauter Wessou, promoteur de Radio Mono, la voix de Lokosa, a présenté à l'assistance le résultat du projet de réalisation du flambeau de la JMR par la FERCAB. Un flambeau que voici qui devra à l'avenir faire le tour des villes où la JMR sera célébrée à travers des passages de témoins. Retour à Cotonou où le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin a tenu ce samedi son congrès ordinaire. Ce premier grand rendez-vous de l'année 2020 pour cette organisation syndicale a été l'occasion d'échanger autour des enjeux liés au chantier de modernisation lancé par le gouvernement. En présence du bloc républicain, le SINAFEM a réaffirmé son ambition à prendre une part active aux 10 projets visant à améliorer les conditions économiques des femmes commerçantes, notamment celles qui ont un revenu moyen. 5 ans après la création de leur association, les femmes commerçantes se mobilisent ici en tenue à la bourse du travail pour poursuivre l'engagement. Le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin tient ainsi son congrès annuel. Le rendez-vous de cette année essaie entre autres d'appréhender au titre des redditions de comptes
les différentes réformes envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions économiques des femmes. Les responsables du SINAFEP Bénin, lors d'une rencontre, ont présenté l'initiative de reconstruction et de modernisation des marchés qui sont en dégradation avancée avec Son Excellence Président Patrice Talon, chef du gouvernement, ainsi donc 9 marchés de Cotonou et d'autres marchés de l'intérieur du Bénin sont mis en chantier de reconstruction. Et les marchés modernisés seront visibles dans les mois à venir en 2020. Pour veiller à ce que les marchés soient construits, le Mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin doit satisfaire à une exigence, celle de la cohésion et de l'entente selon la FETIER, en l'occurrence la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Continuez comme ça à privilégier le dialogue. Et vous, les femmes, continuez de rester soudées, restez unies. Car si vous n'êtes pas soudées, si vous n'êtes pas unies, vous serez vaincues. Mais parce que vous êtes soudées, vous serez forts. Ensemble, comme on le dit, on est plus forts. Je vous invite vraiment, n'est-ce pas, à continuer sur cette lancée parce que les jours qui vont venir, si vous continuez comme ça, vont vous apporter d'autres possibilités, d'autres soutiens qui vous permettront de pouvoir réussir dans votre commerce. Dans cette quête de réussite, les femmes du SINAFEM peuvent déjà compter sur un soutien de taille, celui du Bloc républicain. Le parti du cheval blanc fait sienne les valeurs sur lesquelles le regroupement syndical est en train de construire son modèle de lutte. On dit le Bloc républicain est le parti des jeunes et le parti des femmes. Et c'est pour ça que quand il s'agit des femmes quelque part, comme une seule femme, le Bloc se déplace et vient les soutenir. Et sachez juste que ces femmes dites des marchés, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires, ce sont des personnes que nous côtoyons au quotidien. Ce sont des femmes très actives au niveau du Bloc républicain. Et donc, il était très important pour nous de marquer justement notre soutien à leur côté pour cet événement un peu plus grandiose. C'est donc pour récompenser la fidélité et l'engagement de ses membres et des femmes en général que le Bloc républicain a fait le déplacement de la Bourse du travail. Une cause qui se veut tout autant sociale que le projet de modernisation des marchés en cours d'exécution sur tout le territoire national. Ils étaient, eux, pour la plupart, membres de la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, le collectif des émigrants du littoral rallie la cause du cheval blanc. Ils ont donc officiellement déclaré leur adhésion au Bloc républicain ce samedi à la faveur d'une rencontre présidée par plusieurs ténors du parti politique d'accueil. Occasion pour l'honorable député Chantal Haï d'expliquer aux nouveaux membres du Bloc républicain les avantages du système partisan. La rencontre a eu lieu à la Maison du Peuple d'Agla sous le regard de Ulrich Gaba. La marée jaune que voici était acquise à la cause d'un autre parti politique. Aujourd'hui, tous ces conducteurs de taxi-moto sont séduits par les réalisations du président Patrice Talon et son ambitieux programme de développement. Pour l'accompagner dans sa vision, ces émigrants du littoral font officiellement leur adhésion au Bloc républicain. L'amicale des M du Bloc républicain prend ainsi le ferme engagement de contribuer à l'enracinement de la démocratie et au climat de paix, tout en œuvrant pour un Bénin meilleur. Un engagement pris devant plusieurs leaders du BR. Cette rencontre a permis au député Chantal Haï et ses collègues du Bloc républicain de mieux expliquer aux émigrants les atouts du système partisan, afin qu'ils partagent à leur tour la bonne et l'information juste avec les populations. Nous mettons un accent particulier sur le système partisan parce que il faut que les populations comprennent. Il faut que les acteurs majeurs de la vie publique et même de la vie sociale puissent comprendre cette réforme-là pour pouvoir l'accompagner. Ça facilite en tout cas la percée du message sur le terrain. Ça facilite la compréhension et l'adaptation qu'on peut avoir de ce message-là. Comme vous le savez, le Bénin est composé à environ 80% d'analphabètes.
Et donc, ces personnes, on peut leur mettre tout et rien dans la tête. Et nous, nous sommes là pour leur apporter la vérité, leur expliquer ce qui se fait. Et que ce qui se fait, non seulement est pour le pays, mais c'est aussi pour eux-mêmes et leurs enfants. À travers cette rencontre d'adhésion couplée de la sensibilisation autour du système partisan, le Bloc républicain vient de marquer un point de plus sur l'échiquier politique. Dans le rang des nouveaux adhérents, comme dans le camp d'accueil, le mot d'ordre est la Fédération des énergies. Ça montre que tous les hommes du littoral font bloc derrière la Bloc républicain et surtout derrière Madame Haï. À 80%, les Béninois sont analphabètes. Et quand on voit une majorité de cette partie, c'est la corporation des hommes. L'intoxication passait de là. Alors aujourd'hui, nous avons compris. On est tous contents du Bloc des hommes qui était RB hier. Aujourd'hui, ils sont en Bloc républicain. Ça prouve que plus unis, on est plus fort. Avec le temps, ils vont voir le travail que les hommes ont fait sur le terrain. Avec la réforme du président, le chef de l'État, ils verront que ça vaut la peine de venir dans le Bloc républicain. Et nous sommes là aujourd'hui, non seulement pour les accompagner, mais pour aussi leur expliquer le bien fondé du programme d'action du chef de l'État. Ça veut dire que ce sont des acteurs pleins de l'animation de la vie publique et qu'ils comprennent la nécessité de la réforme et qu'ils prennent le train de la réforme en marche, c'est heureux. Chaque conducteur de taxi-moto ici présent ressort de la présente rencontre avec la détermination de jouer désormais sa partition au sein du Bloc républicain pour accompagner le président de la République dans sa vision de faire du Bénin un pays prospère. 562 candidats au départ et 108 retenus à l'arrivée. C'est l'essentiel à retenir du test sportif du concours de recrutement qu'organise le gouvernement au profit de la police républicaine dans le département du Mono. Cette étape sportive s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi à Lokosa. Voici le reportage de Geoffroy Messin et de Florent Dehou. C'est parti pour 4 km de course. Les participants sont des candidats à l'entrée au sein de la police républicaine. Et cette course est une étape du processus de recrutement lancé par le gouvernement du président Patrice Talleyrand afin d'étoffer les rangs des flics et aussi lutter contre le chômage. Je crois que d'entrée, on peut déjà retenir que nous sommes à l'ère de la police républicaine. Et comme vous le savez, la police républicaine est née de la fusion de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et depuis que nous avons commencé le processus, nous sommes pratiquement au premier recrutement. Donc nous pouvons dire que nous sommes en train de recruter des policiers républicains de race pure. À l'année prochaine. Merci d'avoir accepté de participer. La course est déroulée en deux phases. Il y a une phase masculine et une phase féminine. Peu avant le top départ de la course, des consignes ont été données et des conseils prodigués. Ce qui se déroule ce matin est empreint de la transparence la plus totale. Et vous devez savoir que vous êtes les premières à subir cette épreuve-là. Nous sommes à l'ère de la rupture et vous savez que c'est pour la première fois que on organise un concours de ce genre. 562 candidats, hommes comme femmes, dont 4 démobilisés, ont pris part à cette étape sportive de ce concours de recrutement au profit de la police républicaine. 100 candidats chez les hommes et 8 chez les dames ont été retenus à l'issue de la course, plus les 4 démobilisés de sexe masculin. Du point de vue organisationnel, je vais quand même dire que c'est très bien organisé. Donc il y a même des caméramans qui étaient à l'arrivée et qui étaient en train de voir l'ordre d'arrivée. Donc du point de vue organisationnel, tout s'est bien passé et je peux avouer qu'il y a la transparence. Généralement, c'est qu'il n'y a plus de travail. Bon, eux aussi, parmi mes amis, ils ont eu de compétir pour voir si ça va tourner. Et Dieu merci, ça a marché. J'espère être parmi ceux qui vont défiler le 1er août 2020. Ça s'est bien passé.
seulement qu'on aimerait prendre au moins, qu'on sélectionne au moins 10 filles parmi nous-mêmes. Tel n'a pas été le cas. Nous sommes des policiers républicains et nos habitudes souvent, c'est que nous essayons d'éloigner les curieux de nos positions. Mais cette fois-ci, nous avons été larges, nous avons laissé la main à la population de suivre un peu ce qui se passe. En plus de ça, vos caméras étaient là, bien entendu, et vous avez pris des images. Et ce ne sont que les candidats méritants qui ont été retenus. Le prochain rendez-vous, c'est dans les semaines à venir. Les candidats retenus seront appelés à prendre part à une phase écrite avant de boucler la boucle avec la phase de visite médicale. Le site, à première vue, est une vaste étendue de végétation, mais elle cache en son sein une richesse ancestrale vieille du XVIIIe siècle. Le village souterrain d'Agongwento a été découvert en 1998 lors de la construction de la rocade Abomé Boikon-Kitu. Le site regorge des abris souterrains ayant servi de planque lors des luttes d'extension territoriale ou de résistance. Outre les maisons souterraines, on y retrouve également une diversité de ressources animalières et d'essences végétales, ainsi que des divinités. Le village souterrain d'Agongwento, un site à caractère original, c'est un élément tourné par l'une de nos équipes de reportage basée à Boikon. Témoignage des batailles d'extension territoriale ou de résistance, ces abris constituent pour les guerriers du Dan Romain des cachettes. Elles ont été utilisées pendant les moments de lutte. Appelés à Rwando, en langue locale fond, ces abris souterrains ont été découverts lors de la construction d'une rocade par la société danoise Danida. Lors des travaux de construction de la route du projet Aboki, donc Abomé Boikon-Kitu Ilara, en 1998, l'une des machines que nous appelons communément ici bulldozer s'était affaissée dans un souterrain. Donc la compagnie danoise qui était en charge de la construction de la route était revenue avec des grues faire ressortir la machine. C'est ce qui a donné le vaste trou que vous avez juste derrière moi. Et dès que cette machine a été ressortie du trou, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres entrées secondaires. Et les riverains ont dit à ces Danois que c'était des Rwandais qui avaient servi de cachette pendant la guerre. Donc c'est comme ça que cette compagnie danoise a saisi l'ambassade du Danemark au Bénin, qui à son tour a saisi le gouvernement en son temps. Et puis de commun accord, ils ont décidé de mettre sur place un projet de fouilles archéologiques. Fruit de l'ingéniosité de leurs concepteurs, les maisons permettaient aux combattants de se mettre à l'abri, le temps de voir passer leurs ennemis avant de les surprendre par derrière. Elles ont aussi servi de base arrière en cas de repli tactique. Creusés dans une terre constituée d'argile et de fer, ces abris laissent encore transparaître les marques des outils rudimentaires qui ont permis de les réaliser. Des fouilles archéologiques ont conduit à la découverte de plus d'une cinquantaine sur un site érigé en musée à Boikon. C'est le village souterrain d'Agongwento. Situé en plein centre de la ville, le village fascine plus d'un de par l'architecture des abris qu'il comporte. Compte tenu de la datation des souterrains par les archéologues, nous situons ici l'histoire sous le règne du roi Agadia, donc au XVIIIe siècle, en sachant que sur le site, nous avons cet ancien Rwando, mais qui font partie d'un ensemble de plus de 1600 recensés en 1998. Et de nos jours, je pense que nous serons déjà au-delà des 2000, un peu éparpillés sur le plateau d'Abomé. Donc sur le site du musée, nous avons seulement 76. Le village souterrain d'Agongwento est établi sur un espace de 7 hectares. Outre les abris, le site regorge d'une diversité de ressources animalières et d'essences végétales. Il présente également des divinités qui sont les traces de l'appartenance religieuse des premiers occupants des lieux. Un culte que perpétuent aujourd'hui encore les descendants des prêtres vaudous de l'époque. Cette diversité de composition fait de ce musée plein air le seul du Bénin qui revêt un caractère original. Sur place, nous avons comme hôtel de divinité l'hôtel de la divinité Dan, qui est la divinité dans le panthéon vaudou qui donne la richesse. Nous avons l'hôtel de Torhuyo et de Aizan. Torhuyo, c'est l'ancêtre totémique qui est vénéré et qui s'occupe de l'harmonie au sein de sa descendance ou de son clan. Le Aizan, c'est la divinité qui est là pour purifier, qui aide à faire rayonner un site si c'est implanté là.
Ensuite, nous avons l'hôtel de la divinité Legba qui s'occupe de la sécurité des villages, des marchés, de grands couvents vaudous. Donc il y a le Falegba, le Tolegba, le Runlegba et le Legba simple. Ensuite, nous avons un temple de vaudou, un temple de divinité Nesoukwe, où, entre autres, on peut voir le Torosu, l'hôtel de divinité Torosu dedans. Ces divinités sont sur place et la plupart sont installées même entre le 18e et le 19e siècle par la famille Gankosu, dont les descendants continuent de perpétuer le culte jusqu'aujourd'hui. La gestion de ces parties-là revient toujours à la famille Gankosu, qui est dépositaire de ces entités divines sur place. Nous avons au sein de la végétation plusieurs essences qui sont endémiques, Rovikukui, du fruit là, qui pousse à l'étape sauvage. Nous en avons plein sur le site. Nous avons beaucoup de plantes médicinales que certains même viennent demander. Et si on voit que l'essence, il y en a beaucoup sur le site, on leur permet d'en prendre. Mais s'il n'y en a plus, on les protège. Destination prisée. Il y a quelques années, le village souterrain d'Agongwento connaît aujourd'hui une baisse dans l'affluence des visiteurs. De 7 000 les premières années de son ouverture, le musée n'accueille à nos jours plus que 2 000 visiteurs pendant ses saisons touristiques et non touristiques. Une situation qui met à mal l'économie du site avec pour corollaire des difficultés de survie. En plus de tout ceci, le musée connaît de multiples autres problèmes. L'état de dégradation reste la principale difficulté déplorée par visiteurs et acteurs de gestion du site. À l'extérieur, on a l'impression que c'est un petit peu laissé, négligé, je ne sais pas, mais un petit, on s'en occupe pas beaucoup. On s'en occupe pas beaucoup, c'est dommage parce que c'est des vestiges, parce que c'est un lieu exceptionnel qui peut amener beaucoup de tourisme. Et qui pourrait aider, ce tourisme pourrait aider à l'entretien. Parce que s'il n'y a pas d'entretien du tout, il n'y aura plus aucun intérêt pour venir jusqu'ici. Des gens font céder les barbelés pour faire du site leur passage. Et à plein d'endroits, les gens finissent de préparer et renvoient les charbons ardents ou bien les cendres. Et le musée a subi des feux, des incendies un peu partout. Le site a besoin d'être renforcé. Au niveau des attractions touristiques à visiter sur place, c'est-à-dire réaménager un, deux, trois abris en plus par rapport à ce qui est là. Peut-être créer d'autres attractions telles que la mise en marche effective, ici abritant le jardin aux papillons d'alors. Et enfin, pourquoi pas recruter aussi du personnel bilingue, puisque nous sommes parfois confrontés à des visiteurs lusophones, anglophones et qui n'ont pas de traducteurs. Répertorié forêt classée par le ministère de l'Environnement, le village d'Agongwento est un atout pour le développement touristique souhaité par le gouvernement en place. Mais pour jouer pleinement sa partition, le musée devrait en amont connaître des travaux de réaménagement et d'organisation. Voilà, et pour finir, on connaît la nouvelle équipe de l'association des adeptes du culte Mamidan. Ceci à la faveur du congrès extraordinaire de l'AMDB organisé ce samedi à Cotonou. Au thème des travaux et de l'étape des élections, 15 membres du conseil exécutif national de l'association ont été élus avec pour président Sa Majesté Togbe Beombeza qui place son mandat sous le signe des défis à relever et de la réussite. Le samedi 15 février entre dans l'histoire des religions endogènes du Bénin avec le congrès extraordinaire qui a consacré un nouveau bureau de l'Association des adeptes de Mamidan. Ce conseil national exécutif est désormais présidé par Togbe Beombeza en remplacement de Davi Kossi, devenue présidente d'honneur. Le nouveau conseil est conscient des nombreux défis qui l'attendent. Le premier travail qui est primordial, c'est la réconciliation dans le fond et dans la forme. La réconciliation entre nous les prêtres traditionnels, entre nous les adeptes. Je sais que c'est un travail qui est difficile. Les divinités vont nous aider à accomplir cette mission. Au début des travaux, le conseiller technique à l'organisation du congrès, Togbe Tofodi Wallace, a rappelé le caractère extraordinaire des assises. Selon lui, cela se tient dans un contexte de post-crise qui avait divisé le conseil exécutif national. Aujourd'hui, il est question de conjuguer au passé cette crise. La nouvelle équipe devra travailler à assainir la communauté, renforcer
les capacités des ressources humaines, gérer l'association dans les règles de l'art, veiller à l'application des tests et à la transparence dans la gestion financière de l'association. Le travail à faire pour réussir le mandat qui vient de commencer est la réorganisation des pratiques du culte. Ce qui est là qu'il faut faire, c'est de rassembler tout le monde, régler les petits problèmes, mettre en place un comité qui va travailler avec moi, qui peut travailler avec moi et régler les problèmes les plus pressants. Et les problèmes les plus pressants, j'ai déjà dit que c'est la réconciliation de nous tous qui est le plus important parce que l'association est unique. Avant l'élection, les congressistes ont fait le bilan de gestion du conseil sortant, la relecture des tests fondamentaux. Occasion aussi pour eux de procéder au renouvellement des organes statutaires et d'adopter des résolutions et recommandations. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.